que je vais inscrire. Bonjour. Vous avez pris les patents, professeur des universités à Bordeaux. Oui, exactement. Donc voilà, c'est un livre handicap et recherche. Donc merci de faire pénétrer la recherche dans le cadre de handicap et qui est ouvert par Axel Kahn. Et je pense que c'est justement un point de vue humaniste très intéressant. Il parle justement de la date de 1789 sur les droits de l'homme, où il dit, dans l'introduction, qu'il faut appeler les droits de l'humain. Et ancien directeur des sciences humaines et non pas des sciences de l'homme, je suis heureux donc d'être directeur des sciences humaines et sociales à l'Université de Bordeaux. Donc, le regard croisé est intéressant au niveau scientifique. Je pense que quand on est sur des représentations erronées, c'est le manque de méconnaissance qui amène justement un manque aussi de reconnaissance. Je vais reciter justement une œuvre de Marcel Mauss, où en introduction, Lévi-Strauss avait dit en 1950 une phrase magnifique, plus ou moins, « L'homme est le produit de son état, le produit de son corps, mais de ses représentations, de ses techniques, qui évitent justement tout nombre de discrimination, d'ethnicité ou de genre. » Et donc, dans ce panorama un petit peu de recherche, on croise aussi bien les sciences du vivant et de la recherche, donc les sciences du vivant, et les sciences également de la santé, les sciences technologiques et les sciences humaines et sociales. Car il ne faut pas rester non plus sur l'apanage simplement d'une seule science. Et si on biologise l'individu, on oublie qu'il vit dans une situation. Donc l'importance, justement, des sciences humaines. Donc l'homme est dans une situation, en situation de handicap. Et donc ce manque de reconnaissance, Sticker avait fait, pas Sticker, parce qu'il est parmi nous, mais Honnête avait fait un magnifique livre sur la société du mépris, où il disait que justement, vivre l'expérience du déni de la reconnaissance amène le mépris vis-à-vis d'autrui. Donc le miroir, qui est donc l'autre, le miroir, il faut éviter qu'il soit brisé, qu'il soit déformé, et la science, quelque peu, peut amener, justement, à éviter quelques représentations erronées. En économie, on parle des trois I, l'idéologie, faute de reconnaissance, on fait appel à ses mythes, à ses croyances déformées. Le I de l'ignorance, quand on ne connaît pas, bien c'est souvent des décisions technocratiques qui viennent d'en haut, au lieu de légitimer la parole de ceux qui souffrent, qui ont des besoins. Et le troisième I, celui de l'inertie, difficile de changer ses habitudes. Et dans Le Monde, j'avais écrit un article, qui, si on a ces trois I, ça creuse justement le quatrième, celui des inégalités. Donc voilà un petit peu les regards croisés. Je terminerai sur ces regards qui sont rapidement sur différentes altérités, aussi bien de type cognitif, de type moteur, sur également l'autisme. Je travaille aussi sur les cancers et maladies rares. Et vu qu'on est sur des paroles de femmes, on s'aperçoit dans les problématiques du care, de l'accompagnement, c'est souvent féminin. Donc qui s'occupe justement des personnes en difficulté, en fragilité? Ce sont des femmes avec un métier peu reconnu, fragilisé, souvent mal payé, et c'est pareil pour l'accompagnement des jeunes. Dans les familles, c'est plutôt la maman, justement, qui doit souvent accompagner au détriment de sa vie.